nouvelle vidéo, une vidéo qui va être une revue sur les produits de Tanihaber, comme vous avez vu dans le titre de toute façon. Donc c'est les produits que j'ai reçus de la part d'une abonnée, donc c'est pas un partenariat que je fais du tout, c'est juste une abonnée qui m'a envoyé 3 produits de la marque Tanihaber. Donc c'est une youtubeuse, une blogueuse, je crois que c'est une youtubeuse, qui a du coup sorti sa marque de produits cosmétiques. Et du coup, tellement que je les adore, j'avais envie de vous en parler. Et je vous ai déjà présenté ces produits-là sur Snapchat si vous me suivez déjà. Et plusieurs personnes m'ont demandé d'en parler un peu plus en profondeur de ces produits-là et de dire ce que j'en pense. Donc du coup, tout d'abord, on a cette palette-ci. C'est un espèce de rose gold. Elle est juste trop canon avec donc des écritures derrière. Et du coup, c'est la Peachy Glow. Et on a une petite languette comme ça, quand on l'ouvre à l'intérieur, on a un miroir et on a un bronzer, un blush et un highlighter. Et ils sont juste trop canons, franchement je les adore. Ils sont pigmentés, ils sont crémeux, ils sont faciles à travailler, faciles à estomper. Franchement je les adore et ils sont pas poudreux. Mais la texture, franchement je ne crois pas que j'ai déjà testé des produits avec une telle texture assez crémeuse, très agréable à utiliser. Donc du coup voilà, celle-là franchement elle est trop canon, je vais vous montrer. Donc ici on a le peach, non le beach, bronze, l'apricot flush et le champagne shimmer, et c'est des couleurs juste trop canon. Donc la pigmentation, vous allez voir que ça se voit beaucoup, j'ai juste en passé mon doigt dedans vite fait et on voit. Alors je vais vous mettre où, ici. Donc là, le blush est plus une couleur abricot, bah, comme ça le dit. C'est plus un orangé, c'est très joli. Le bronzer, pareil, il est très joli. Il n'est pas trop foncé, pas trop clair. Il est bon à peu près pour toutes les carnations. Et il a, quand on regarde comme ça, il fait un peu peur parce qu'on voit qu'il est vachement brillant et tout ça, avec des micro-paillettes. Mais une fois qu'on l'applique sur le visage, il n'est pas aussi brillant. Donc du coup voilà, mais ils sont juste trop canons. Et franchement, là, vous avez 3 produits. Pour le prix, je sais même plus le prix que c'est, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais c'est pas cher du tout. Alors que si vous prenez juste un bronzer, un blush et un highlighter, tout de suite ça vous coûte la peau du cul. Alors que là, pas du tout, c'est une palette qui est vraiment une petite mine d'or. J'adore, je vais prendre un truc pour m'essuyer sinon je vais en foutre partout. J'en fous déjà sur mon meuble. Franchement, ouais, c'est une vraie petite mine d'or. J'adore vraiment très beaucoup. Et je ne connaissais pas du tout cette youtubeuse. Je ne connaissais pas du tout cette marque de produits. Enfin, ces produits du tout. Donc du coup, ça a vraiment été une belle découverte. Là, donc, c'est une autre palette avec un trio dedans. Et c'est la Rosy Flush. Et franchement, pareil. Regardez-moi déjà le packaging. Il est rose avec des petites paillettes. Mais des petites paillettes. Des petites étoiles, mais des vraies belles étoiles comme je les adore. C'est comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il est trop joli le packaging. Et à l'intérieur, pareil, on a un miroir avec un bronzer, un blush et un highlighter. Et le bronzer, c'est exactement le même que je vous ai montré là. Mais le blush et le bronzer, le blush et l'highlighter, je suis en train de ne sont pas les mêmes. Donc je vais vous montrer ça. Et pareil, très jolie couleur. Donc là, c'est plus un rosé. Hop, on va mettre là. Donc vous avez l'highlighter, celui-là par contre, il est juste super joli. Il y a l'highlighter et le blush ici, je ne sais pas si vous voyez du tout, j'arrive pas à voir. Mais ils sont juste au canon et on peut voir qu'elle a vraiment passé du temps sur ces produits, elle n'a pas fait un produit juste pour balancer comme ça. Il y a vraiment un travail dessus, là il y a des petits cœurs qui sont trop mignons. Là on a les étoiles que j'adore, enfin franchement les palettes sont vachement bien travaillées. Et puis la texture des produits, mais j'ai jamais vu un truc aussi crémeux. J'adore. Ensuite, le troisième produit que j'ai de Tanihaber, c'est, je sais pas si ça se dit Tanihaber comme ça, je sais pas, je le dis comme ça. Donc c'est un espèce de petit livre comme ça, enfin une petite boîte comme ça, trop canon, d'une couleur vermante mais assez claire. Et du coup ici c'est la Pretty Unstable, je ne sais pas, je vous mets de toute façon tout en barre d'infos. C'est comme ceci et là, mais une merveille. Regardez-moi déjà ce miroir en forme de cœur. Et puis les produits intérieurs sont juste top. Et pareil, c'est pas super cher. Vous avez quand même 4 fards à paupières, un highlighter, un blush et en prime un lip gloss qu'elle appelle ça. Mais pour moi, c'est pas un gloss. Mais je vais vous en parler tout de suite. Mais voilà, franchement, c'est juste super top. Je vous swatche les produits. Hop, je passe vite fait mon doigt dedans et vous allez pouvoir voir la pigmentation de fou. Regardez-moi ça. C'est juste trop canon. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit bijou. Donc là, par contre, c'est un highlighter que je vous ai déjà présenté avant. Et c'est un nouveau blush. Je vais vous swatcher également le blush.
mais c'est une petite merveille. Regardez-moi celui-ci. Alors, on va le mettre ici. On va hop, faire plus grand. Regardez, elle est ici et il est juste trop canon. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Mais voilà, franchement, ces produits, si, je le redis, mais si vous souhaitez tester des produits d'une youtubeuse à petit prix, ou si vous souhaitez trouver un kit comme ça, parce que vous n'avez pas envie d'avoir 50 millions de maquillage, là, vous avez des couleurs de base que vous pouvez faire un maquillage de jour, un maquillage de nuit, un highlighter, un blush, il faudra juste trouver un bronzer, et là, vous avez le produit pour les lèvres. Franchement, c'est super, super top, et vraiment à petit prix. Donc, hop, je vais vous parler maintenant de ce petit truc-là. Donc, c'est un lip gloss, et c'est vraiment le gros coup de cœur sur ça. Déjà, la couleur, elle est juste trop magnifique. Donc c'est un matte lip Martamo, mais quand vous tapez sur le site matte lip, vous ne trouvez pas, il faut taper lip gloss et là vous les trouverez. Vous pouvez acheter ces produits là sur le site Fait l'Unique. Donc je vais vous swatcher ça parce que c'est juste trop canon. Déjà le packaging, il est juste trop cute, ça sent mais une pure merveille. Hop, on va le mettre ici. La couleur, elle est juste trop canon, elle est là. J'adore, il n'assèche pas du tout les lèvres, il est très agréable, il sèche super vite. Et puis quand il s'enlève, il s'enlève pas. Des fois quand vous avez des mattes comme ça ou des, même des rouges à lèvres tout simplement, quand vous buvez ou quand vous mangez, ça part et ça vous fait un contour des lèvres horrible. Et ben celui-ci il part mais d'une manière où, enfin super joli et il tient super bien. Parce que quand je le mets le matin, je ne fais pas de retouches et le soir quand je me démaquille, il en reste toujours sur mes lèvres. Donc il tient vraiment très bien, ça n'assèche pas les lèvres. C'est une petite merveille, franchement, ces produits-là de Tania Burr, mais franchement, testez-les, allez acheter ça sur le site Fait l'Unique, ça coûte pas si cher que ça, et c'est une vraie petite mine d'or, j'adore vraiment très beaucoup. Donc du coup, merci à toi de m'avoir fait tester ces petits produits-là pour mon abonné qui m'a envoyé ça, c'est vraiment super gentil, merci beaucoup mille fois, j'adore. Du coup voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. J'ai pas énormément de choses à vous dire sur ces produits là, à part que je les adore et que c'est des produits de bonne qualité pour des petits prix. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.